Salut mes petits nidorans, c'est Docteur Darky, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va reprendre notre aventure sur Pokémon version Rouge Feu. Oula, tout doux. Désolé. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On était arrivé à Azuria, après avoir passé le mont Sélénite. Alors, je vais vous montrer un peu la team, on va revoir un petit peu. Donc nous avons Riser le Nidorino, Diandra le Milobelus, Morgan la Lamantine et Magitroll le Lagron. Voilà. Alors c'est parti, on va aller affronter notre rival. Histoire de voir un peu. Allez c'est parti. Alors Bad Cat. Yo Docteur Darky, alors tu t'en sors? Moi c'est le pied, j'ai attrapé plein de Pokémon super puissants. Fais-moi voir ce que t'as attrapé Docteur Darky. C'est parti. Alors, un Yanma. Voilà. Petit fail. Alors, un Yanma. Ouh, pic-pic. Oh non. Oh, pas que je souffle dans le micro. Oh là 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 là. Bon, ça va. Il fait de bons dégâts, mais s'il continue avec les reflets turbo, ça va me saouler. Vive attaque. Coup critique. Ouais, tu fais pas grand chose. Allez, empoisonné, tiens. Bien joué, Riser. Pic-pic. Monte ta vitesse si tu veux. Monte ta vitesse si tu veux, ça va pas changer grand chose. Dans tous les cas, t'es fini. Voilà, ça c'est fait. Bien joué Riser, donc tu viens de te faire un petit Yanma. Perso je pensais le Sonic Boom, je sais plus s'il a Sonic Boom. 535 points d'XP, ouh. Donc du coup tu montes au niveau 17. Anorit, donc il a une team insecte. Anorit, on va lui envoyer Diandra. Parce qu'un type roche insecte, si je me rappelle bien. Ça va être intéressant. Alors, pistolet à flotte. Bon, ça, on lui fait vraiment de gros dégâts. Lui, il nous fait que chi. Parfait. Bien joué, Diandra. Ça, c'est fait. Un anorite de jarté. Alors. Diandra qui monte au niveau 17. Un Scarino. Combat insecte, on va envoyer Riser hein. Avec un petit pic-pic qui va prendre x4. Allez Riser. Coup de corne. On va switcher, j'ai pas envie de prendre de risque. Allez Magitroll. Oui, Magitroll. Alors, un tir debout. Voilà, ça c'est fait. On n'y fait vraiment pas grand chose. Hein. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas super efficace. Un pistolet à flotte. Ça fait qu'il va se faire efficace. Qu'est-ce qui se passe? Pas grave. Ah! Saloperie. Voilà. Roméo. 321. C'est pas mal. Un blind Alice. Waouh. Riser. Le blindalice, il va pas nous faire grand chose. Hein. Enfin bon. Je pense en un ou deux pic-pic, c'est fini. Putain, blindalice niveau 18 quand même. Ah, un peu plus alors. 4 pic-pic. Alors, c'est parti. Désolé, je suis un peu fatigué moi. Alors.
pique-pique. Je me demande, est-ce qu'on va se faire la reine ou on va d'abord voir Léo? J'ai peur que si on va faire la reine tout de suite, on risque d'avoir un peu de mal. Mais ça peut être intéressant. On va aller faire la reine. On va aller faire la reine tout de suite. Bon, j'accélère, ça m'énerve. On va aller faire la reine tout de suite. Darvenin. Oui, je vais te la prendre parce que ça peut être utile. Mais bon, t'as méga corne. Mais putain, c'est vrai qu'il a pris méga corne. Cette puissance. Oula, Kalmos, t'as gagné, ok? Hé, tu sais quoi? Je suis allé chez Léo, il m'a montré ses Pokémon rares. Ça m'a rajouté plein de pages à mon Pokédex. Tout le monde sait que Léo est un top Pokémoniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon sur PC. T'as qu'à aller le voir. Bon, je trace. Ciao. Ouais, c'est ça. J'ai les boules pour toi, je te jure. T'es toujours derrière moi. Bon, je vais te donner un cadeau, mais c'est une faveur. Le Memory Dex. Ah oui, c'est pas... C'est parfait pour une pipelette comme toi. J'en ai pas besoin parce que j'en ai rien à faire des autres. Allez, je suis plus là. Ciao. Allez, on va aller se soigner. Et on va aller commencer la reine. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Oui, s'il te plaît, soigne-moi mes Pokémon. C'est parti. Alors. Allez, c'est parti. On va commencer la reine. Plaouf. Je suis Prems, baston! Si tu veux. Alors, un Octalie. Ouais, méga corne. Voilà. Riser, surpuissant. Voilà, en 2 mégacornes, Noctalie fini. De niveau 16, ça va. Bon, on va changer un peu parce que là, Riser, il monte beaucoup de niveau. C'est un peu le souci des Nuzlocke, c'est que, bon, après, certes, les Pokémon adverses sont bien plus haut niveau. J'ai pas vu, il a envoyé un Malos. Mais c'est qu'on monte vraiment vite de niveau, c'est hallucinant. Alors, ça... Alors, papa. Pistolet à flotte. Ah! De toute façon, il va pas nous faire grand chose, Flamèche, si tu veux. On est pas brûlé, donc pistolet à flotte et c'est fini. Oups, je chante. Allez, Magitroll qui passe au niveau 18. Oh, c'est dingue. Alors, Pokémon, on va mettre Morgane. Allez, viens te battre, toi. Je suis assez bonne pour toi. On attendra. Ok. Alors, qu'est-ce que t'as? Un Démolos. En fait, Morgane, on va pas rester. On va envoyer Diandra. Putain, Démolos niveau 19. Ah, ça fait mal. Heureusement qu'on a Diandra quand même. Oh, purée de poids. Allez, pistolet à flotte. Oh, la burn. Bon, au moins, on pourra pas être empoisonné par purée de poids. Ça va, vous faites bons dégâts. C'est bien, Diandra. C'est très bien. Ah, le coup critique. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Là, Diandra, t'as fait du bon job. T'as fait du très bon job. Oh, je me suis fait écraser. Ouais, c'est bête, hein. Je suis très fort moi. Allez, on va aller se soigner avant d'aller affronter Ondine.
aller se soigner déjà. Donc le centre Pokémon est ici. Commencez à partir un peu loin, moi. Oui, allez, soigne mes Pokémon, vas-y. Voilà, merci. Allez, on va aller affronter Ondine. Allez, Ondine. Paf, paf, paf. Petit screen. Paf. Tiens, un nouveau visage. Oups. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Ma tactique? Attaquer avec des Pokémon. Oh. Oh. Oh yeah. Ok. Farfurée. Glace ou ténèbres. Bon, Farfurée, il est fragile. Donc, théoriquement, voilà, on lui fait assez mal. On lui fait bien assez mal, je trouve. Vive attaque, si tu... Oh, le coup critique, s'il te plaît, quoi. Voilà, vengeance. Moi aussi, je suis un crit. 508 d'XP pour un Farfurée, quoi. Donc, un... Donc, c'était une team ténèbres. Ah, c'est un type plante. Riser. Oh, oh, oh. Mégacorne x4. Pas mal. Tiens, vas-y, 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 vas-y. Blé, ça c'est fait. Tu vois la championne d'arène qui m'a toujours fait chier. Et ben là maintenant elle me fait plus rien. Voilà. Mais oh. Ton niveau 21 qui m'a fait chier pendant très longtemps. Ben là, là il me fait plus rien. Voilà. One shot. Avec mon Nidorino. Oui, d'habitude j'ai un Nidoking ici, mais bon, c'est comme ça. Alors, le badge de cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à t'obéir. Cela comprend aussi les Pokémon obtenus pendant un échange. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS Coupe, même hors des combats. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite. CT03. Vibra quoi ? D'accord, ok, donc elle a pas vibré à quoi déjà. On va voir un peu ce qu'est cette CT. Alors là c'était Météor. Bon. Pour le moment on n'a pas. On n'a pas des CT exceptionnels. Mais bon. C'est parti. On va aller voir Léo. Ça peut être une bonne idée. Et d'ailleurs, il me semble, si je me trompe pas, on va voir là. On va avoir une capture. Ce serait bien. On va les soigner avant d'y aller, hein. J'ai pas envie de prendre de risques, on a quand même 5 combats à faire avant d'arriver là-bas. Et occupe-toi de mes Pokémon, voilà, j'espère, parce que ça me prend la tête à chaque fois de... Mais vous voulez que je m'occupe de vos Pokémon? Voilà, on met où? Alors... Le Pompépite. Le Pompépito. On va revoir un peu notre organisation. On va mettre Gandra en première et Riser en dernier. Blé. Alors, le premier. Voici le Pompépite. 5 dresseurs le défendent. Balayez tous pour remporter un prix fabuleux. Tu crois pouvoir y arriver? Ouais. Carrément. Un... Oh, ouh. Oh, le Vasilis. Le tueur de Nuzlocke. Le tueur de Nuzlocke, Vasilis. Celui qui s'était fait toute notre team sur Pokémon Éclapour. Allez, Diandra, tu peux le faire. Y'a pas de faire grand chose. C'est même easy. Pourquoi on n'avait pas eu un Diandra, hein? Pourquoi on n'a pas eu un Milobelius? Un Éclapour. Bon, c'est pas grave. Bon, déjà. Vasilis. Bye bye, une petite vengeance pour ce que tu m'as fait, espèce de Vasilis. Cure de Nuzlocke. Alors, un deuxième Vasilis, ben on bouge pas. Je dis on est bien là. Donc on sait toujours pas si sa team est de type proche ou de type plante.
constriction. Et là c'est une team plante et on se retrouve bloqué comme ça, et Diandra prend un giga sensu, coup critique. Et du coup on n'a plus de Diandra. J'ai arrêté d'être défaitiste parce que si ça arrive après je vais être vraiment deg. Mais vraiment vraiment. Allez. Pistolet à flotte, finito. Finito lo Vasilis. Alors, Diandra gagne 430 points d'XP, d'accord. Gallic. Hop, oh, c'est bon, c'est une team rush. Ça va aller tranquillou. Ça va aller tout seul. Tiens, pistolet à flotte. Voilà. 438 points d'XP pour Diandra. Qui va se finir cette team à Namonistar. Oh, je bouge même pas là. Là, Diandra, elle peut faire vraiment de l'excellent boulot. Alors, regardez-moi les dégâts qu'elle fait. Bon, après, certes, elle est niveau 18. Là, le pompe épide va aller assez vite. C'est pour ça que je préférais faire d'abord la reine plutôt que le pompe épide, etc. Parce qu'après, on est trop haut niveau, ça passe tranquille. Voilà. Alors, haha, bien joué. Et ouais, mon gars. Faut dire que j'ai une Diandra exceptionnellement forte. Je suis le numéro 2, ça rigole plus. Ah, j'ai pas trouvé ça marrant, le numéro 1, c'était tellement nul. Un champignon. Plante au combat. Crochet venin. Ah oui, c'est vrai que Diandra a la crochet venin. Volvi. Oh ben c'est bon, quasiment rien. En même temps vous me direz, c'est que 40 de puissance je crois, Volvi. C'est tout petit. Hein. Mais bon. 423 points d'XP. Un Ortide. On va switcher. On va y envoyer Morgane. Par la figure. Prends-toi un onde boréale. A mon avis, ça va lui faire bien mal. One shot. Bah, c'est bon. Hein. 339 points d'XP. Un Tangalis. Qu'est-ce que j'ai pour lui faire mal? Pas grand-chose. Un Magitroll, un type plante, il prend x4. On va pas l'envoyer face à un type plante. Hein. Tangalis, on refait une onde boréale. Oh, ça va rapporter de l'XP, ça, le Tangalis. Morgane, putain, mais deux one-shot d'affilée, quoi. Waouh. 465 points d'XP, Morgane qui passe au niveau 19. Et pourtant, je fais plus de level up dans les épisodes, hein. Je fais rien, là. Ça monte vachement vite. J'aurais peut-être même pas dû en faire au début. Alors... On laisse Diandra en première, et c'est parti. Je suis le numéro 3, c'est pas gagné. Bah vu la facilité que j'ai eu envers les deux autres, j'espère que toi tu vas être plus difficile à battre. Allez, sors-moi une petite psy et tu me fais péter Mewtwo et Deoxys. Non? D'accord. Bon, au moins c'est une petite psy. Mais bon. Pistolet à flotte. Enfin, petite psy ou vol, on sait pas encore. Ténèbres. Pourquoi pas. C'est 20 dégâts je crois à chaque fois. Je sais plus, c'est un truc du genre. C'est un truc du genre, je sais plus exactement. Un Chalamina. Donc c'était bien une team psy par contre. Alors. Pistolet à flotte. Détection. Tu fais des déductions. J'ai déjà fait des pistolets à flotte. Patience, si tu veux, si tu veux. Mais tu te concentres. Le prochain tour, tu te prends un pistolet à flotte et tu es KO. Voilà. C'est qui le patron? C'est moi, le patron.
Yandra qui monte au niveau 19. Oh, tu m'as écrasé. Oh, quel dommage. On va envoyer Magitroll. Je suis le numéro 4. T'en as pas eu assez? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Hyperroi. Charge. On va pas pouvoir faire grand chose. Alors si c'est une team dragon, ça peut être intéressant, mais si ça reste une team haut, on va se faire chier. Parce que je veux vraiment faire monter de niveau mes Pokémon dans un ordre précis. Ça veut pas. Eh ben, Morgan fait lui péter en boréal histoire qu'ils comprennent qui c'est le patron quoi. Alors. Hop. Allez Morgan, la onde boréale qui passe. Tue-le. Eh ben non. Voilà, c'est mort. Morgan n'en a pas été tué. Bou. Sniff. Points d'XP pour tout le monde. Un deuxième Hyperroi. Et ben on va pas bouger. On n'a pas vraiment le choix. Voilà. Onde boréale. Oh le coup critique. Ça c'est bon. Allez, un petit deuxième. Oh. Pas marrant, si le deuxième il passe pas. Allez, s'il te plaît. Oui, ça c'est bon. Bien joué, Morgan. Tu seras récompensé. Hey. Donc Morgan qui passe au niveau 20, ça c'est bien ça. Alors, Pokémon. Hop, Morgan ici. Et on avance. Ok, je suis le numéro 5, je vais t'écraser. Ah bon, t'es sûr de ça? Moi je connais pas. Excusez. Oh, un petit galéqué de tout mémé, tout petit, tout mignon qui va se faire exploser. Le pauvre. Tire debout. Bré. Ça, c'est fait. Allez, Magitroll au niveau 19. Ça c'est parfait. Et le petit dernier. Hey. Tu vas tellement te faire battre. Ça va en être épique. Tu as gagné un fabuleux prix. J'obtiens la pépite. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi, de cette pépite? Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon. Ça t'intéresse? Vraiment? Allez, viens. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois. Je vais devoir m'en montrer plus persuasif. Allez, viens te battre. On a rien à foutre. Balignon. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas le Valignon. Voir ma
m'amuser. Non, en fait, non. Non, 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 non. Non, 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 on est sur pas le malignon ici. Riseur. À toi. Riseur, à toi de me battre. Je crois que je craque, les gens. Bon, c'est pas grave, c'est là pour faire rire. Paralysé, mais non, mais non. Voilà, la méga corne. Tropius, 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 Tropius. Morgane va pouvoir le one-shot. Ça va en être drôle. Onde boreale. Et tu es finito. Ça c'est fait. Ah, et ouais, Morgane, elle est trop forte. Pour une fois, elle a un Pokémon intéressant. Oui, moi aussi je t'aime, Morgane. Tu pourrais vite devenir un chef au sein de la Team Rocket. Allez, je te laisse y penser. Ne laisse pas passer cette chance. Oui, mais je sais, je sais, je sais, je sais. Ah. Par contre, je vais faire ça que... Non. Pokémon. Non, mais non. On va regarder un truc, là on est... On va regarder, il me semble qu'ici on va avoir une nouvelle capture. Azuria. Route 24. Carrément. Nouvelle capture. Je sais même pas si j'ai pris des Pokéballs. Oh, et si j'ai pas de Pokéball? Et si j'ai pas de Pokéball? Ah si, c'est bon. Et puis c'est qu'un dingue là. Je fais ligotage. Alors, je vais marquer route 24 Ningal. Est-ce qu'on va réussir à le capturer? Nous allons bien. Espérons. Espérons. Espérons que j'arrive à le capturer. Ningal qui fait mal. C'est pas bien de faire aussi mal, Ningal. Alors, route 24, Ningal. Elle fait 7. Alors, est-ce qu'on va réussir à le capturer? Ou est-ce qu'il va faire partie des rayés de la liste? Ah, voilà, fais-lui un peu. Non! Le coup critique, mais Diandra, non, mais non, fallait pas faire de coup critique, fallait pas. Ben voilà, pas de Ningal. Voilà, bon bah on n'aura pas capturé de Pokémon dans ces zones. Ben voilà, on va aller se quitter. C'est la fin de l'épisode, vite, 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 cool, Tarki, cool. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Bye tout le monde, c'était Docteur Darky, et amusez-vous bien.